jamais comment l'écrire. C'est compliqué, le français. Ben non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton mot? Foi, ça prend-tu un E? Ça dépend. C'est-tu la foi ou le foi? La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E. Non, si c'est la foi, ça prend pas de E. Mais c'est quand que ça prend un E, d'abord? Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça, là. Non, mais toi, c'est la foi avec un S. Non, le S, c'est au pluriel. Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça. Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs. Oui, mais non, on dit La Voix X. Mais pourquoi c'est pas un E, d'abord? Parce que La Voix E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué? Oui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des trucs, la foi, le croire, là, c'est souvent vide. C'est souvent pas vrai, donc il n'y a rien après. Tandis que la foi, comme une foi S, comme le foi E féminin, l'autre, c'est pluriel. C'est le contraire. Comme la voix X, sauf la voix E, le chemin. That's it, là. C'est vrai que c'est pas compliqué, le français.